Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Mangeur de chouquettes et dévoreur de livres, la traque se poursuit. Je vous présente L'erreur de Suzy Fox aux éditions Fleuve Noir. Suzy Fox est née en Australie. Elle a étudié la médecine et les arts à l'université de Melbourne. Elle vit aujourd'hui dans l'état de Victoria, où elle travaille comme médecin généraliste. L'erreur est son tout premier roman, actuellement en cours de traduction dans de nombreux pays, et immédiatement établi comme un des nouveaux talents de suspense, de psychologie féminine. L'erreur de Suzy Fox, jour 1, aube du samedi. Sacha ouvre les yeux. Du regard, elle cherche Marc, son mari. Allongée sur les lits d'hôpital, elle tente de rassembler ses idées. Petit à petit, les souvenirs se mettent en place. Les bruits, le sang, la douleur et surtout la peur. Elle devait accoucher au Royal, un hôpital avenant, avec des chambres chaleureuses et des personnels soignants compétents et attentifs. Là, elle se retrouve dans un hôpital de quartier pas terrible et rien ne ressemble à ce qu'elle espérait. Surtout, elle ne voit pas son bébé et encore moins son mari. Les souvenirs affluent pendant que son cerveau sort de la torpeur de l'anesthésie. L'accident de voiture, le bébé kangourou et tout ce sang qu'elle a perdu. Elle se rappelle du masque que l'on pose sur sa bouche et son nez, l'odeur du plastique, les yeux de l'anesthésiste et le brouillard qui la recouvre. Paniquée, elle presse la sonnette d'appel aux infirmières. Personne ne répond. Elle finit par appeler de sa chambre pour que du personnel vienne la voir. Une sage-femme finit par apparaître. Elle semble fatiguée. Elle regarde le dossier médical de Sacha et lui explique ce qui est arrivé. Elle a fait un hématome rétroplacentaire. Elle en était à 35 semaines de grossesse. Il a fallu faire sortir le bébé et faire une césarienne d'urgence. Votre petit garçon a été envoyé en néonate. Mais l'échographie parlait d'une fille. De toute façon, Sacha a tellement attendu cet enfant qu'importe le sexe, pourvu qu'il aille bien. Une fois que la sage-femme l'est rassurée sur son état, elle demande à le voir. Elle tente de joindre Marc. Pendant toute la grossesse, elle a planifié avec lui ses moments. Ils doivent rester aux côtés de leur enfant jusqu'à ce qu'elle le voie. Elle ne veut pas qu'il reste seul. Les points de suture de la césarienne sont douloureux, mais elle veut être accompagnée vers la nurserie. Elle a besoin de poser ses yeux sur celui qu'elle attend depuis 8 ans. C'est un garçon, alors ce sera Toby. Quand elle pose son regard sur lui, ça choque. Viscéralement, elle sait que l'enfant qui se trouve devant elle n'est pas le sien. Son instinct parle, hurle. Elle sait. Qui plus est, il ne ressemble ni à son père, ni à elle. Elle en fait part à l'équipe soignante et tente de comprendre ce qui a pu arriver. L'équipe lui explique que les prématurés sont souvent très différents des bébés arrivés à terme, qu'ils se développent rapidement, rien n'y fait. Sacha n'en démord pas, cet enfant n'est pas le sien. Elle a encore en mémoire des cas avérés d'échanges d'enfants qui sont arrivés dans les hôpitaux. Personne ne la croit. Pire, le personnel a un regard soupçonneux quand elle se met à inspecter toutes les autres couveuses à la recherche de son enfant. Son mari et son père suivent la vie médicale. Les difficultés pour avoir un bébé l'ont fortement impacté, sans compter qu'elle a un terrain familial propice. Il déclare que c'est une dépression postpartum. Elle est internée pour sa sécurité et celle de l'enfant. Sacha a très peu de temps. Elle a retrouvé son enfant. Elle sait qu'il y a eu inversion. Elle en est persuadée, mais elle doit le prouver. Elle se retrouve seule contre tous. Dès que l'enfant, qui est le sien, aura quitté l'hôpital, elle le perdra à jamais. Et ça, elle ne l'envisage même pas. Elle va devoir se servir de sa tête pour tromper la psychologue qui la suit tout en récupérant son enfant. Un premier roman qui fait froid dans le dos, mais dans lequel j'ai du mal à entrer. Je m'explique. Les premières pages sont très addictives. Mais une fois passés ces premiers moments, l'auteur se perd un peu. De nombreux flashbacks pour présenter les différents personnages et leurs histoires respectives. Elle aborde des sujets sensibles qui demande beaucoup de psychologie et de connaissances des individus. Pour expliquer le comportement des uns et des autres, elle nous présente Sacha et Marc. Nous apprenons au fur et à mesure leurs histoires communes, leur parcours de couple et les difficultés qu'ils ont rencontrées pour devenir parents. Nous découvrons aussi leur parcours de vie, qui lui aussi n'est pas piqué des hannetons. Certains passages sont vraiment bouleversants et donnent de l'épaisseur au personnage. Le problème est aussi dans les informations que donne l'auteur. Il m'est arrivé de me perdre dans les différents allers-retours. Entre les époques et les différents personnages, le flux m'a fait éloigner du réel. À trop donner d'informations, elle casse le rythme de l'instant T qu'elle raconte et qui nous tient en haleine. La vraie réussite de ce roman tient dans le twist final qui nous impacte comme un train lancé
en pleine vitesse. L'auteur pose de nombreuses questions quant à la filiation et au deuil. Suzy Fox lève aussi le voile sur le parcours du combattant d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant. Elle décrit parfaitement les difficultés rencontrées et leur incidence sur la psyché de l'homme et de la femme, les doutes, les craintes et les bleus à l'âme. L'auteur distille les informations sur la vie de Sacha qui nous font douter de tout. Cette fin est juste brillante. L'auteur donne des sueurs froides, des conseils aux mamans qui ne sont pas d'accoucher. Partagez, pour me filer un coup de main, parce que franchement, là en ce moment, Facebook me pose des vrais problèmes. Mangez des chouquettes, lisez, likez, commentez, abonnez-vous. C'est gratis, bref, éclatez-vous, mangez des chouquettes, lisez, à bientôt, salut. L'erreur de Suzy Fox aux éditions Fleuve Noir.